Donc Coco, aujourd'hui on va se retrouver pour la dernière partie d'album. Donc avant de faire les pages internes dans les pochettes, on va faire ensemble la couverture de l'album. Donc pour ceci, la vidéo en traduisant disait qu'il fallait un morceau de mousse d'éthylène et d'acétane de vinyle. J'en ai pas ou j'en ai mais je trouve pas. Donc moi ce que j'ai pris c'est ce qui venait d'Action, vous savez les pages de cuir, il y en avait plein, je vais vous faire voir le rouleau, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça, c'était un rouleau avec plein de feuilles de cuir comme ça dedans, et du coup ben, je vais prendre ça. Donc bah, la dimension moi, me correspond. Donc il vous faut un morceau de 21 x 15 cm. Donc votre morceau, vous le... J'ai pas mesuré. Vous voyez à peu près, je l'ai mis debout. J'ai fait ça comme ça. J'ai placé à peu près pour que ça soit quasi aligné hein, ici et ici. J'ai juste tracé un trait au crayon. J'ai mis ma... Une fois que c'était placé comme... Une fois que c'était placé comme ça. Là que c'était bien aligné. J'ai tenu, j'ai posé, j'ai tenu, j'ai tracé un trait. Pour dire d'avoir... pour bien de coller assez droit. Et ensuite, bah, pas besoin de derrière. Parce que je me doute que ça va suivre. Donc du coup, bah, moi je croyais que ça se décollait. Mais je vois que ça se décolle pas. Je croyais que c'était collant. C'est pas grave. À moins que c'est collant que... J'y arrive pas, mais j'ai essayé. Mais non, je pense pas. Enfin bref, j'ai laissé comme ça. Donc je vais prendre bah, de la colle. Je vais mettre de la colle sur ma tranche. Enfin, sur ma tranche. Vous avez compris, hein, où j'ai fait ma... Je vais en mettre quand même assez. Je vais l'étaler au doigt. Hop. Ça devrait être bon. J'ai mis ma colle. J'ai aligné le morceau que je colle. Et ensuite, je retourne. Pas que ça soit trop serré non plus pour dire qu'on puisse tourner, vous voyez. Mais bon, il faut pas que ça soit non plus trop lisse. Quoique j'ai peut-être à retracer un coup de crayon. Peu près. Je vais remettre ma colle. Je tire un peu. De toute façon, le trait, c'est pas grave. Parce qu'après, on va recacher. Faites attention qu'on voit pas votre album ici et ici, enfin les pages que je veux dire, vous ayez la bonne dimension normalement. Et ici, ça laisse un peu de... J'aimerais bien tourner, mais j'ai peur que ça se décolle. Non, c'est bon. Mais bon, là, c'est pas collé. On va attendre que ça colle. Que ça soit bien collé, enfin sec. Puis on se retrouve après. Mais laissez une petite... ici, vous voyez, pas que ça soit serré. On se retrouve après.
ensuite vous allez prendre le cartonnette. Donc comme cartonnette j'ai pris des blocs de papier quoi. Vous prenez la cartonnette qui se trouve sur les blocs de papier. Donc vous allez prendre un morceau de 21 cm x 15,5. Donc ensuite avec ça, comme je disais, avec vos deux cartonnettes de 21 x 15,5. Donc ensuite vous allez prendre deux morceaux de 25 x 19,5 cm pour coller vos cartonnettes pour faire la couverture. Donc là tout simplement vous allez prendre votre cartonnette, votre papier. Vous allez viser à peu près, vous visez à peu près, sauf si vous voulez mesurer, vous mesurez, moi je mesure pas. Je vais coller ma cartonnette sur mon papier. La colle. Je colle à peu près. Ensuite, vous allez couper en biseau, de pied. Je cherche mon ciseau, il était où? Allez. Vous allez prendre comme ceci, vous allez couper un bout de biais comme ceci, et pareil ici. Voilà, de façon à faire ça. Vous faites ça sur les quatre côtés. Ce que ça vous donne une fois coupé, vous faites comme ceci. Donc ça, une fois coupé, forcément on va peut-être marquer nos plis avant de coller la cartonnette. On va marquer nos plis avant. Une fois marqué vos plis, vous allez mettre là de la colle tout simplement sur vos bords. Et vous collez. Celui-là du coup de gauche, bon, ça change rien que je suis en haut, en bas avant. Du coup les celui-là. Celui-là. Et celui-là. Voilà. Vous avez déjà une première couverture qui est arrachée d'eau, mais c'est pas grave. Et on va faire pareil avec la deuxième. Donc votre morceau. Donc je vous ai passé les étapes hein, du collage de l'autre. En plus c'était pareil. Là ce qu'on va faire, j'ai mon cuir, il a vraiment du mal à coller. C'est la première fois que je me sers du cuir en fait. Dans un sens ça va se détendre ici, parce que je trouvais qu'il était un peu tiré. Donc là ce qu'on va faire ben, après c'est prendre votre album. On va mettre de la colle sur notre page et j'espère que
ça va bien coller sur le cuir. Ça me fait peur, maman. On va voir ça. J'ai pas l'habitude de faire des albums comme ça. Moi, c'est plutôt avec l'accordéon, avec une reliure en accordéon ou en U. Mais comme ça, non. On va essayer. Ah oui, moi je badigeonne à la main. Wow. J'avais acheté des pinceaux de maquillage exprès en silicone. Là. Je m'en sers pas. Bon, ensuite on va coller. On va essayer de bien coller. Oh, c'est pas évident. Bon, je vous laisse coller moi de mon côté parce que sinon ça va prendre une plombe et on se retrouve après. Voilà ce que je fais pour que la colle elle adhère bien et que ça évite de bouger quoi. C'est je mets des pinces. Comme ça, ben voilà, je sais que. J'espère que j'ai bien mis. Ça fait toujours peur. Donc voilà ce que ça nous donne pour l'instant, notre couverture. Elle remet un bout de mousse là, que je vous ai dit tout à l'heure, donc moi c'était du cuir. Elle remet un bout comme ça par-dessus, mais en fait elle le met plus petit. Donc elle fait ça à peu près sur... elle laisse ça à peu près ici, et pareil de l'autre côté. Mais moi j'ai pas envie de faire comme ça. Donc je suis partie là-dessus sur un morceau de cuir comme ça plus grand, ben, qui prend la longueur en fait. Donc j'hésite avec ce morceau de cuir là ou ces feuilles autocollantes là. Bien sûr, il ne faut pas que je colle tout. Oh, quoi, quoi. Ça collerait sur le cuir. Ou je me tâtonne avec la couleur là. Donc après, je me dis ça reste dans les tons. Celle-là, c'est vrai, quand on voit la tranche, ça fait nul. Donc je me tâtonne, soit je remets ce, je suis toujours entre les deux couleurs, ça j'aime bien parce que ça va avec, et ça c'est pas laid non plus, ça peut être joli en décorant, mais je pense que je vais partir sur la feuille autocollante. Donc vous prenez comme vous voulez. Donc les mesures, elle, quand j'ai dit qu'elle prend un morceau, admettons qui fait, voilà, on va dire comme ça, elle recolle un morceau qui fait ça, comme ça on revoit sa chute là. Et plus ce morceau-là en supprimant. Qu'est-ce qu'il y a, chaussette? Dans 2 minutes. Je suis en train de tester plein de trucs. Je vois à peu près. Hein. Bien sûr, ça ira pas aussi long, mais si je fais ça, même si c'est un peu plus grand sur les côtés, ça me dit rien. Et si je pars là-dessus comme ça. J'essaye de voir avec le bout doré en dessous. Bon, bien sûr, ça serait collé dans ce sens-là, mais en petit. C'est pour voir avec la couleur dorée ce que ça donne. Ouais, mais on voit, c'est ça qui me dérange, moi, en fait. Donc, moi, je crois que je vais partir comme j'ai dit là-dessus. J'ai bien visé. Il paraît que c'est pas évident à coller ce truc. Et j'ai collé comme ceci. Je vais faire ça, ça fera un morceau en cuir en dessous, comme ça. Donc, ouais. Moi, je vais partir sur une feuille collante pour en mettre par-dessus, comme ça. Sachant que le morceau, c'est 21, hein, toujours en longueur, c'est 21. Si vous faites la même longueur que moi. Après, si vous faites plus petit, vous voyez, vous faites comme ça vous semble bien, quoi. C'est vous qui voyez. Parce que chacun son truc quoi, chacun ses goûts, chacun. Moi je vais recouvrir la totalité, j'ai bien me situer et puis comme ça j'ai décoré, enfin, pas tout de suite, ça je ferai à la fin hors champ bien sûr. Oh, ça fait ça, c'est pas une trop grosse tranche, non. Bon, ben moi j'ai collé ça comme ceci ici. Et puis on se retrouve après pour les pages intérieures.
Après les pages intérieures, bah, ce sera que de la déco. Je ferai des die cuts quelques pages avec vous intérieur. Et puis après, bah, la couverture, c'est chacun comme il veut. D'ailleurs, je suis bête, vous voyez. Avant de coller, vous voyez, j'ai voulu aller vite avant de coller mon carton sur ma couverture. Enfin, ma couverture sur la page d'album, ben j'aurais pu mettre un ruban entre deux pour fermer ici. Et chose que j'ai oubliée, et maintenant il est trop tard parce que une fois collé, après à part coller là par-dessus, mais ça va faire moche. Après, à part prendre un ruban qui passe autour là, qui vient là, qui passe ici, j'ai pas envie non plus. Donc c'est un album qui sera ouvert, malheureusement. Ouais, franchement, j'ai pas pensé. Donc, si vous regardez la vidéo avant d'arriver ici, pensez à mettre un. Si vous voulez le fermer, pensez à mettre un ruban entre votre couverture et votre page d'album, quoi. Comme ça vous permet de le fermer et faire plus joli, quoi. Enfin, après, chacun ses goûts, hein, c'est mon avis. Bon, moi je vais faire ça au lieu de blablater. Et puis, bon, on se retrouve après. Surtout, il paraît, je m'en suis jamais servi des pages collantes là. Il paraît que c'est galère. J'en ai plein. J'ai acheté il y a longtemps, je m'en sers pas. Et j'en ai plein. Et bon, on va essayer, on verra bien. Bon, bah, à tout de suite. Donc, bah, une fois collé, voilà ce que ça donne. Il y a un tout petit millimètre ici qui n'était pas assez long. Mais bon, ça va quoi. C'est pour moi, c'est pas pour offrir. Et quand on ouvre, dans un sens qu'il y a la protection en cuir, c'est pas plus mal en dessous parce que ben, ça permet de renforcer de toute façon. Je pense que c'est le but. Donc là, on a notre première page, la deuxième, la troisième, la quatrième, notre cinquième et notre sixième. Et là, c'est derrière. Donc là, ce qu'on va faire, c'est nos pochettes, nos pages pour mettre dans nos pochettes. Donc je prépare et puis je reviens. Donc ensuite, vous allez couper 6 morceaux de 19,6 soit 21 cm. Ça, c'est des pages qui vont rentrer dans nos pages d'album. Il est où? Il est où? Rappelez-vous, on avait fait des pochettes, donc de façon à les mettre là, dans nos pochettes, mais pour les mettre, on va les mettre, ça c'est sûr. Je sais pas ce qui s'est passé, ça a coupé. Donc je disais, je prends mon album, je rentre dans la pochette. De façon à glisser mon morceau de papier, voilà, et de façon à laisser dépasser comme ceci, comme ça pour attraper facilement sa feuille. Voilà, donc je fais ça sur toutes les pages et puis je reviens après. Et voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Donc j'ai enfilé mes feuilles dans les pochettes, comme ça vous prenez. Par le bout, et vous tirez tout simplement. Donc ici vous y notez soit des notes, soit vous mettez des tags, soit vous collez des photos, et vous faites comme vous voulez. Donc moi je les laisse vierges pour l'instant. Donc il n'y a plus qu'à décorer la pochette de l'album et l'intérieur, et ça sera fini. Donc voilà, j'ai fini l'album. J'ai fait quelque chose de sobre et rapide en déco. Je me suis pas embêtée. Hein. C'est beaucoup des stickers. Donc bah, je vais vous faire voir. Bon, donc derrière, j'ai rien mis. Devant la couverture, j'ai fait ça. Enfin, vous voyez quoi. À l'intérieur, j'ai décoré comme ça les pop-up. Je vous dis, j'ai collé beaucoup de stickers. Je me suis pas
vraiment embêtée. Là même c'est trop vite, j'aurais dû rajouter des trucs, mais c'était pour vous faire voir à peu près. Parce que je sais même pas si j'ai essayé comme ça, j'ai peut-être en décollé, j'en sais rien. Pour vous faire voir un aperçu quoi. Il n'y a pas du flou. Voilà. Comme ceci. J'aurais pu en mettre là aussi. C'était vraiment du rapide. Bon, surtout pour vous, c'était vraiment la structure de l'album. Et puis voilà quoi. Donc, eh ben, c'en est tout. 1, 2, 3. C'en est tout avec cet album. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, ben, n'hésitez pas à me laisser savoir en commentaire. Voilà. Bisous, à bientôt.